Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, donc c'est un joli châle que je viens de terminer il n'y a pas si longtemps. Et en fait, ce châle-là, en fait, on l'appelle le châle à queue de dragon. Alors en fait, je vous montre. Alors vous voyez, on dit un queue de dragon parce que chaque fois, il termine comme ça en fait. Ça fait comme les queues de dragon, comme ceci. Vous voyez, il est vraiment joli. Hein, alors là, je vais vous montrer depuis le début. Comment elle a commencé, vous voyez. Alors depuis le début, elle a commencé comme ça. Donc là, moi, j'ai terminé, je lui ai fait un petit pompon, hein, parce que je trouvais ça vraiment très joli et puis ça lui faisait un petit charme quand même. Alors, vous voyez, on va commencer comme ça. Ça va être de plus en plus, ça va être petit et ça va commencer de plus en plus grand et plus en plus large, comme ceci. Voilà, vous voyez, donc là, j'ai commencé comme ça. Voilà. Il est vraiment beau avec ces couleurs là, j'adore. Hop. Là, vous voyez, il fait maintenant de plus en plus large, comme ceci. Hein. J'ai pas assez de place sur ma table, mais bon, c'est pas évident de montrer. Je fais de mon mieux. Hein. Voilà. Une fois que c'est bien élargi au bout, vous voyez, et bien en fait, après, il repart carrément en pointe, comme ça, il descend en pointe. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc, je l'ai fini comme ceci et je lui ai mis aussi un joli pompon avec une petite perle. De toute façon, là, je ne vais pas vous montrer pour le pompon que la perle parce que j'avais déjà fait un châle récemment, le rose, là, avec toutes les belles couleurs. J'avais montré comment on faisait un pompon. Donc, voilà, je ne vais pas vous montrer une deuxième fois. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, moi, mon châle, depuis la hauteur, parce que je me suis arrêtée là, je préfère vous le dire maintenant parce qu'après, comme d'habitude, j'ai encore oublié des choses à vous dire. Alors, mon châle, depuis la pointe, donc il fait. Pop, hop, hop, comme il arrive. Donc, il fait 96 cm. Depuis la pointe jusqu'ici, il fait 96 cm, hein, pile. Voilà, il est juste ici, hein, 96. Alors, moi ce que j'ai fait, parce qu'en fait ce châle-là, ça sera ça sera des rangs de 4 à 4. Voilà. Donc en fait, comment je vous explique? Là, on va faire 3 rangs de points de bride. Et le dernier rang, ça sera le dernier rang que des points de pouf. Voilà. Et en fait, on monte tous les 4 rangs. Voilà, on commence 1, 2, 3 et on finit par le point pouf. Alors en tout, moi j'en ai fait combien? Alors j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je reprends, je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 motifs depuis le début. Voilà. Alors vous voyez, il est vraiment joli, c'est vraiment une belle couleur. Enfin, moi, je l'adore. Alors, maintenant, je vais le retirer. Et je vais vous montrer avec quelle laine je l'ai fait. Alors là, c'est une laine que j'avais trouvée chez Action. Voilà, mais je crois qu'ils en vendent encore, il me semble. Hein. Je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'ils en vendent encore. Alors moi, j'avais trouvé cette jolie couleur. Et c'est de la laine donc, de chez Lufo. Hein. Donc, Allison et Maë. Voilà. Alors, cette laine-là, enfin moi, ce châle-là, en fait, j'ai pris avec le crochet numéro 4. Voilà. J'ai fait que le numéro 4. Hein. Eux, ils disent avec le 4 et 5, mais pour moi, ça faisait un petit peu trop lâche. Donc, j'ai pris le 4. Voilà, pour moi, c'était très bien. Alors, sinon, elle fait 100% acrylique, elle fait 200 grammes et elle fait 459 mètres. Donc, elle est déjà quand même pas mal grande. Hein. Voilà. Ensuite, moi, bah, pour mes pompons, bah, j'ai pris ces perles-là, pareil. Donc, celles-ci, on peut les trouver à Action. Bah, justement, l'autre jour, je suis partie faire un tour chez Action. Puis, en fait, ils les ont remis. Alors, le prix, c'est bien 79 centimes la boîte. Hein. Vous voyez, c'est vraiment pas cher. Hein. C'est vraiment en bois. C'est vraiment magnifique. Hein. Puis là, franchement, on a quoi de faire avec. Hein. Et puis, voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, on va passer au tutoriel. Voilà, comme ça, ben, je vous le montre. Je vais tirer un petit peu tout ça pour pas que ça me gêne. Voilà. Vous voyez? Alors, on va commencer comme ça, en fait. Voilà. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6.
notre bride. Hein. On recommence de l'autre côté. Nos 6 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et ainsi de suite. Voilà. Alors comme tout à l'heure je vous ai dit, et bien chaque fois on fera 1, 2, 3 et on terminera par les points poufs. Vous voyez, on fera toujours pareil après comme ça. 1, 2, 3 et nos points poufs. Voilà, écoutez, on va passer au tutoriel et que je vous montre tout ça. Alors, oui. Alors, donc là, on va monter 1, 2, 3, 4 et 5 ici, mailles en l'air. Là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va piquer dans la première maille de départ. Et là, ah non, je me suis trompée, parce que là, en fait, quand on commence, il faut faire deux brides, enfin deux, comment je vous explique, voilà. Il faut faire comme ça, une fois et deux fois, voilà. On va rouler deux fois. Et maintenant, hop, on va faire, voilà, on appelle ça une double bride, ça y est, je m'y retrouve. Une, et puis deux. Et ensuite, on referme, comme ceci. Alors maintenant, on recommence la même chose, on va faire 4, 5 et 6 mailles en l'air. 4, 5 et 6. On va à l'intérieur du trou et là on va faire une bride, deux mailles en l'air et une bride. Comme ceci. Hein. Voilà. Ensuite, on va retourner le travail et là on va faire nos deux mailles en l'air. Une, deux. On va, dans le V qu'on a fait au départ, dans le premier V, là, on va faire une V. Donc, ça fait une bride. Je vais plus loin, parce que je ne vois pas. Ça fait deux mailles en l'air, une bride à l'intérieur, comme ceci. Là, le trou qu'on avait fait tout à l'heure, le début, on va refaire pareil à l'intérieur. Hein. On va faire une bride, deux mailles en l'air, et une bride à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va faire deux mailles en l'air. Une, deux. On va refaire notre double bride. Et là, on va se raccrocher à la quatrième maille en l'air. Une, deux, trois et quatre. Juste ici. Hein. Et on va faire la même chose. Hein. Comme ceci. Ce que ça donne pour l'instant. Alors maintenant, on va recommencer. Donc là, on est au troisième rang. On va refaire nos 4 mailles en l'air, 5 et 6. Voilà, donc 6 mailles en l'air. C'est la même chose en fait. Donc on arrive à l'intérieur du trou et là on va faire notre bride. Une bride, deux mailles en l'air, une bride à l'intérieur. Dans l'autre trou, on avait fait notre V, on va faire la même chose. Hein. Alors, une bride, deux mailles en l'air et une bride. On repart dans la V qui est juste ici. On refait la même chose. Hein. Une V, une bride. On appelle ça une V voilà, parce que ça fait une forme de V. Hein. Et une maille en l'air. Et ensuite, on va faire une bride donc à la deuxième maille en l'air qui se trouve juste ici. Et là, on va faire notre bride comme ceci. Hein. Pour l'instant ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, on arrive au quatrième rang. Hein. On va faire celui-ci. Voilà. Alors, on va faire nos deux mailles en l'air. Une et deux. À l'intérieur de la V, on va faire notre point pouf. Hein. On va tirer une fois la laine.
on la reprend derrière une deuxième fois. J'ai pas de laine, ça va pas le faire. Hein. Hop, voilà. Bon, deux fois et trois fois, comme ceci. Hein. On reprend par en dessous et on tient l'ensemble et on ferme le tout. Deux mailles en l'air et on refait notre point pouf. On tire et on ramène. Voilà, comme ceci. Et là, on passe par en dessous et on ramène le tout, comme ceci. Alors en fait, les points de pouf, quand vous voyez trois traits comme ça, vous voyez, une, deux, trois, en fait, ça veut dire que vous devez tirer le fil trois fois. Si un jour, vous voyez dans un tuto, admettons, qu'il y a quatre ou cinq traits à l'intérieur, donc ça veut dire que vous tirez donc le nombre qui a marqué. S'il y a quatre traits, vous allez retirer quatre fois. S'il y a cinq, c'est cinq fois. Voilà. Alors, là, on repart dans l'autre V qui est juste à côté et on fait la même chose. On retire, on reprend deux fois et une troisième fois, comme ceci. Hein. On passe le fil à l'intérieur, on le ramène et là, on va refaire nos deux mailles en l'air. Hein. Une, deux, et on recommence notre point pouf à l'intérieur. Une, deux et trois. Voilà. On arrive encore au prochain. On va faire la même chose. Hop là. Là, on va retirer deux fois et trois fois. Deux mailles en l'air. Et dans le prochain, pareil. Hein. Une fois. Deux fois. Et trois fois. Une fois qu'on arrive au bout, à son sol, il faudra toujours faire pareil. Hein. Nos deux mailles en l'air et notre double bride. Hein. Une, deux. Alors en fait, double bride parce qu'en fait, il y a deux traits. Vous voyez, quand vous avez deux traits sur votre bride, en fait, ça fait une double bride. Donc on va tourner le fil deux fois sur le crochet. Par contre, ceci, la bride normale, il n'y a qu'un trait, donc on le fait qu'une fois. Voilà. Alors, je disais, donc on va faire, donc j'en suis là, voilà, je n'allais pas me tromper. Donc j'en suis ici, donc on tourne le fil deux fois, voilà, comme ceci, et là, en fait, on va se raccrocher à la quatrième maille en l'air. Une, deux, trois et quatre, juste ici. Voilà. Ah non, je me suis trompée. En fait, je n'ai pas fait mon point pouf, voilà. Une fois qu'on arrive au bout, il faut refaire le point pouf ici, je n'avais pas fait, hein, excusez-moi. Voilà. Je suis un petit peu trop vite là. Alors, deux, comme vous avez dit. Hein. Trois. On passe à l'intérieur. On va refaire nos deux mailles en l'air. Encore un point pouf. Hein. Une, deux et trois. Voilà. Donc on va refermer le tour. Et là maintenant, on va faire nos deux mailles en l'air. Une, deux, notre double bride, comme ceci. Et là, on va se raccrocher à la quatrième maille. Hein. Une, deux, trois, qui est juste ici. Voilà. Hop. Comme ceci. Hein. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne pour le moment. Hein. Vraiment joli. Hein. Alors, maintenant, on va recommencer comme la première fois. En fait, hein. Donc, en fait, là, on s'occupe pas de ces deux rangs ici. Là, c'était vraiment le rang de construction. Hein. Donc, moi, quand je l'ai fait, en fait, je me repérais toujours à celui-là après. Voilà, toujours à ces rangs-là, à partir du 5 jusqu'au 8. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez faire vos points pouf, eh bien, vous allez toujours reprendre. Enfin, comment vous expliquer? En fait, il faudra toujours laisser deux points pouf en dernier. Voilà, c'est ça qui va faire le. Enfin, la forme du châle de queue de dragon, je vais y arriver moi, voilà. Donc en fait on va terminer par une bride, on va toujours laisser 4 points pouf, voilà. Alors, une fois que vous aurez fait vos rangs, vous arriverez ici, vous ferez tout le long, 1, 2, 3, 4, et ici, vous arrêterez toujours ici, et là vous ferez toujours une bride, et hop, vous commencerez votre diagramme. Et toujours laisser ce motif là, hein. Voilà. Alors, maintenant, on va recommencer. Alors, là, on en était là. Hein. Maintenant, on va faire nos 6 mailles en l'air.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on est dans le premier trou ici, on va refaire notre bride. Donc une bride, deux mailles en l'air et une bride. Ce qu'on appelle ça un point V, hein, parce que ça fait la forme du point V. Après, on repart directement dans les points pouf. Dans les points pouf, on va faire la même chose. Hein. Dans chaque point pouf, on va faire un V. Donc, une bride, deux mailles en l'air et une bride. Comme ceci. Hein. On repart directement, je ne me trompe pas, voilà, dans l'autre point pouf, deux mailles en l'air et une bride. Et là, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Hein. Je tire un peu ma laine. Alors, une fois qu'on est arrivé ici, vous voyez, il faudra toujours laisser les deux brides comme ça. Donc, en tout, il faudra laisser tout le temps 4 points pouf. Hein. Une, deux, trois, quatre. Voilà. Une fois qu'on arrive au bout, eh bien, on fait tout simplement une bride à l'intérieur. Comme ceci. Hein. Voilà. Et là, on va recommencer. On va refaire nos deux mailles en l'air, ainsi de suite jusqu'au bout. De toute façon, je vais refaire ce rang là avec vous, puis je m'arrêterai là. Voilà. Comme ça, vous aurez bien compris. Hein. Alors, on en était là, donc on va refaire. Non, on en est au 6. Donc on va faire nos deux mailles en l'air. Une, deux. Et maintenant, là, on repart. On fait notre V. Deux mailles en l'air. Et notre V. En fait, dans chaque V, on fait des V. Voilà. Donc là, on retrouve celui-ci. On va faire la même chose. Maille en l'air. Notre V. Encore un V, vous voyez. Là, on part pareil. Et là, on arrive dans le trou, on fait la même chose. On va faire notre bride, deux mailles en l'air et une bride à l'intérieur. Et ensuite, on va faire nos deux mailles en l'air, donc qui est juste ici, nos deux mailles en l'air. Je ne me trompe pas, oui. Oui, une, deux, double bride. Et là, on va se raccrocher à la quatrième. Une, deux, trois et quatre, qui est juste ici. Ceci, hein. Voilà. Là, on va retourner le travail. Je me suis pas trompée, hein, que je regarde bien, parce que des fois, moi, je cause beaucoup, mais je fais pas attention à ce que je fais. Oui, c'est ça. Une, deux. Voilà. Maintenant, on va faire le troisième rang. Donc, on est au septième. Hein. Alors, 4, 5, 6. Et 6. Et là, on repart dans le premier trou. Et on va refaire notre V. Donc, une bride, deux mailles en l'air et une bride. Vous voyez, c'est vraiment un point qui est vraiment très facile à faire. Très facile, en plus, il est vraiment très joli. Alors, on repart dans le point, pas dans le V. Une bride, deux mailles en l'air. On va faire ça tout le long. Hein. Voilà. On arrive à la dernière V. Donc une bride de maille en l'air, une bride. Et puis là, on va faire notre bride. Sur les deux mailles en l'air, hein, donc la deuxième maille en l'air. Hein. Voilà. Vraiment joli. Hein. Ouais, ça commence comme ça en fait. Alors maintenant, on va repasser au numéro 8. Le rang 8. Hein. On va faire nos deux mailles en l'air.
d'enlever, et bien on va faire tout simplement nos poils pouf. Hein. Une, deux et trois. On prend l'ensemble. Hop. Une, deux. Et là, on fait la même chose. Hein. Bon, là, je vais à peine plus vite parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué comment il fallait faire. Hein. Jusqu'au bout en fait. 2. Hein. Voilà. On arrive à la dernière V, on va faire pareil. Hein. Voilà. Et là, une fois qu'on arrive au bout, on fait la même chose. Hein. Une fois qu'on a fait notre rang de points V, et on va faire les deux mailles en l'air, une, deux, notre double bride, et on va se raccrocher à la quatrième. Hein. Une, deux, trois et quatre. Voilà. Comme ceci. Hein. Alors là, j'aime bien vous montrer encore l'autre rang. Vous n'allez pas vous tromper. Alors, on va bien faire donc nos 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis là, bon, en fait, on recommence le rang. Voilà. On a fini donc notre rang point pouf. Et bien là, on recommence à partir de là. Voilà. Donc après, pour commencer à partir du rang 5, 6, 7 et 8. Toujours comme ça. Voilà. Alors, là, on en était là loin. Je vais prendre un petit peu de laine. On a fait nos 6 et là on va directement dans la V, pas dans la V, mais dans le trou qui est juste ici. Quoi. Voilà. Et là on va faire une V. 1, 2 et une bride. Voilà. Et ensuite on va refaire nos brides dans toutes les points pouf, entre les points pouf. Hein. À l'intérieur, voilà, on rejoint l'autre point pouf, on fait la même chose, la bride, voilà, on repart dans l'autre point pouf, on fait la même chose, la bride, les deux mailles en l'air et la bride. Et là, on va s'arrêter à celle-ci. Une, deux, et notre bride. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vous avais dit, dans tous les rangs, vous faites pareil. Hein. Vous laissez toujours 4 poufs. Une, deux, trois, quatre. Puis une fois que vous avez fini votre V, et bien entre les poufs, là, le dernier, vous faites une bride. Comme ceci. Voilà. Voyez, donc il est vraiment, mais vraiment très facile à faire, il est vraiment joli. Hein. Comme ça, je vous ai bien montré le diagramme, et puis vous voyez, il est vraiment, c'est vraiment simple. Alors, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous faites des points pouf, il faut toujours vous arrêter là après, hein. Toujours en laisser les deux là. Puis après, ben, vous allez voir, il va toujours monter comme ça. Voilà. Et vous voyez,
qui forme la petite queue de dragon. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon petit plat. Et voici, vous voyez, le début c'était comme ça. Voilà. Après il va monter de plus en plus. Puis après, bon, après c'est vous qui voyez, hein. Vous pouvez faire la longueur que vous voulez, hein. Vous pouvez faire plus court, plus long, ce que vous aimez vous. Hein. Enfin, moi je me suis arrêtée là parce que pour moi c'est vraiment assez. Pour mettre sur les épaules ou devant, je trouve ça vraiment très joli. Et puis je voulais pas le faire plus grand. Voilà. Bien. Puis après, ben, j'ai mis son petit pompon. Ça fait très très joli. Et bien voilà. Et bien j'espère que mon petit tutoriel vous a bien plu. Avec ces jolies couleurs. Et puis ben, à bientôt sur ma chaîne Amélie Crochet. Au revoir.